amis Balance, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les 6 prochains jours. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Balance, quoi de neuf? Ok, bon, alors, pour certains, vous êtes en train de patienter. Vous attendez quelque chose. Peut-être, vous attendez l'amour. Mais l'amour, attention, pas n'importe lequel. Le vrai, le stable, le durable. Vous avez déjà mis en place plein de choses dans votre vie, votre carrière, vos amis. Peut-être même, vous avez déjà des enfants, etc. C'est super. Franchement, vous êtes bien, vous profitez. Mais c'est vrai que, voilà, il manquerait un petit peu que l'amour ici et on serait plutôt pas mal. Pour d'autres, c'est pas forcément que vous attendez l'amour, mais vous avez envie de profiter de tout ce que vous avez déjà mis en place. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Bref, plutôt une belle énergie. Ah ! Alors, on a quelqu'un ici qui pourrait venir vous apporter ce que vous attendez, c'est-à-dire l'amour. Attention toutefois, cette personne, elle est pas complètement sur les mêmes énergies que vous, voyez. Alors, ça reste quelque chose d'un peu sérieux, donc ça fait plaisir. Mais on n'est pas, si vous voulez, regardez, ici on a 9 coupes, cette personne, elle vous amène pas à la 10e coupe, quoi. Elle vous amène une petite pièce. Donc, c'est sympa, on aime bien, merci, merci. Mais tout du moins, il faudra vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde si vous avez une nouvelle rencontre, un rencard ou quelque chose comme ça. Hein, c'est le seul truc. Parce que ça pourrait ne pas tout à fait correspondre à ce que vous voulez. Pour d'autres, effectivement, on l'a vu, vous profitez, etc. Et c'est le moment aussi de faire un peu le bilan et de vous dire, hey, franchement, je pourrais peut-être me lancer dans un nouveau projet. Hein, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être des nouvelles études, ça peut être un nouveau projet professionnel. Bref, vous adaptez. Mais il pourrait y avoir aussi de ça, hein, si vous n'avez pas de rencontre notamment. Bon, en tout cas, ici, on vous dit, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Il va falloir juste que vous soyez bien au clair sur vos attentes. Si c'est au niveau sentimental, soyez clair. Dites clairement ce que vous voulez. Essayez d'analyser si la personne, elle est bien, comme, ben, c'est ce que vous... Enfin, comment on dit, comment on formule les phrases ici? C'est quoi cette histoire? Qu'elle correspond bien à ce que vous attendez? Voilà, cette personne. Si c'est plutôt professionnel, restez bien concentré, bien objectif, pour saisir les opportunités et du coup être vraiment très au clair sur vos besoins. Vous voyez? Bon, allez, en tout cas, là, il y a besoin de clarté. Que vous attendiez l'amour ou qu'il y ait un projet professionnel, ici, on vous dit, il va falloir rester non seulement maître de vos émotions, mais il va aussi falloir, comment vous dire, être assez fort, forte, hein, courageux, courageuse, courageux, courageuse pour le volet plutôt professionnel. Et au niveau sentimental, réussir à maîtriser ses émotions pour ne pas s'emballer. C'est pas parce que vous vous dites, je rencontrerai bien quelqu'un là, ça serait sympa. Oh, une personne arrive vers moi, bon ben voilà, je vais la prendre. Non. On vérifie, on est objectif, on ne s'emballe pas dans une histoire qui pourrait ne pas tout à fait nous correspondre. Alors évidemment, cette personne, elle fait déjà un peu partie de votre vie. Ce qu'on vous invite juste à faire, c'est effectivement ne pas s'emballer tant que vous n'avez pas validé que bah, ça soit bien une bonne relation. Bon, si on vous le dit, c'est parce qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci ici. Alors peut-être que simplement, c'est des peurs. Vous avez peut-être peur et finalement, ici, c'est pas juste votre amour qu'il va falloir retenir, mais c'est aussi vos peurs. Vous voyez, peut-être que vous avez trop peur. Oula, cette personne arrive. Oula là 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 là. Bon, maintenant, je vais mettre que fin. Je vais couper tout de suite l'histoire et je veux pas aller plus en avant. Vous voyez, attention, on maîtrise ses émotions. On se laisse pas embarquer par des peurs. Vous avez peut-être aussi un doute parce que cette personne n'est pas disponible. Genre, ah oui, c'est vrai qu'il ou elle est déjà mariée, mais en même temps, il ou elle me dit que ça va plutôt avec sa femme ou son mari. Lol, on a envie de vous dire. Attendez que cette personne, dans ce cas-là, ait bien rompu avec la première personne pour être sûre qu'elle ait envie de s'engager réellement avec vous, hein, et que vous soyez pas une petite béquille émotionnelle. C'est important. Donc, en tout cas, voilà, il peut y avoir aussi ce genre de situation. Mais là, effectivement, ça pourrait aussi être votre dépendance affective qui s'active, vous voyez? Donc là, on est vigilant, on se coupe de tout lien d'attachement qui ne sont pas basés uniquement sur l'amour, on se coupe des peurs et on se coupe des relations qui pourraient être mauvaises pour nous. Ok, allez, encore une petite carte pour vous les balances. Ouais, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous voulez quoi en vrai? Vous voulez le vrai amour, on l'a vu dès la première carte, vous voulez l'engagement, vous voulez le mariage, ou pour le professionnel, vous voulez le vrai contrat. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous laissez pas berner par des occasions qui semblent trop belles
ou ne vous laissez pas berner par vos propres peurs. Là, vraiment, vous adaptez en fonction de votre situation. Restez dans l'objectivité, quelles que soient les choses, parce que c'est cette objectivité, en plus de l'amour, évidemment, pour le volet sentimental, et puis le travail pour le volet pro, mais c'est cette objectivité qui vous permettra de choisir la bonne direction pour vous, aller vers le véritable couple attendu pour l'amour, et puis aller peut-être vers un nouveau projet professionnel, un contrat qui sera solide. Donc là, on est vigilant, vigilante hein, pour les prochains jours sur cette petite carte du diable que on l'aime pas trop. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours sur YouTube ou TikTok de mes signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chéri Chéri. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.